Nous sommes au cœur de Genève et nous sommes venus rencontrer quelqu'un de très spécial par rapport à la biodiversité et l'évolution de la nature en ville. Ici, on est au collectif Saint-Jean. Donc, c'est un collectif d'artistes, d'artisans, de professionnels qui travaillent ici dans des bâtiments qui, au départ, c'était des préfabriqués. Malheureusement, l'été, il fait très chaud dans les bâtiments préfabriqués. Et du coup, ils ont eu l'idée géniale de végétaliser leur toiture pour plusieurs raisons. La première, pour l'isolation du bâtiment, mais aussi pour la biodiversité. Donc, l'isolation du bâtiment, justement, ça permet de réduire les températures l'été, parce qu'en ville, avec la minéralisation des villes, malheureusement, on surchauffe. Et il est prévu d'ici 2100 plus de 8 degrés d'augmentation de température, donc des îlots de chaleur assez fortes dans les villes, donc ça deviendra assez insupportable. Autre point, c'est que pour la biodiversité, c'est essentiel parce que plus de 80% des insectes volants ont disparu en Europe et un tiers des oiseaux. Et justement, ce type d'installation permet des corridors écologiques et aide la faune et la flore. Au niveau de la température aussi, l'hiver, ça permet de mieux garder la chaleur dans les bâtiments anciens ou préfabriqués comme ceux-ci. Nous avons 150 000 toits plats au canton, sous-exploités, qui pourraient aider la faune et la flore, qui pourraient capter la pollution, plus de 0,2 kg de particules fines par jour. Et apparemment, selon l'OMS, on est à plus de 20-30% au-dessus de la norme recommandée par l'OMS en taux de particules fines.